et Hugo et Piste Solidaire présentent. Jardin avec des personnes déficientes, au foyer Lastré. Avec le jardin Front Obscur, mairie du 13e-14e, Marseille. Qu'est-ce que le foyer Lastré et que font-ils ? Donc, bonjour, Lionel Benedi, je suis le coordinateur des jardins partagés de Front Obscur de la mairie du 13-14 à Marseille. Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer et expérimenter avec le foyer Lastré sur un herbier et sur les activités liées au jardinage que réalisent les éducateurs Magali et Dominique avec leur public. Bonjour, je suis Dominique Azan, je suis éducateur technique spécialisé et j'anime une activité de jardinage dans un foyer de vie pour adultes handicapés. On a une petite activité qu'on fait sous serre. Ça permet à des personnes qui ont des difficultés motrices aussi de participer. Et ça permet aussi de servir de tremplin pour des personnes qui, au départ, n'aimaient pas du tout le jardinage. Ça pique, il fait froid, ça salit. Donc, tac, petit à petit, on a réussi à les motiver à l'activité jardinage. Bonjour, je suis éducatrice spécialisée dans ce foyer qui accueille des personnes déficientes. Donc, dans le cadre de ce projet, on va travailler sur un herbier, donc autour du jardin méditerranéen qui est sur la structure. On va essayer de répertorier toutes les variétés de plantes que nous avons, leurs propriétés, à quoi elles servent. Et le but, c'est aussi de créer peut-être quoi par ce biais un échange avec les structures qui sont nos voisines, les écoles, les centres aérés, et faire un peu découvrir ces espèces, à quoi elles servent, les reconnaître, les déguster. C'est un peu dans cette optique qu'on s'inscrit dans ce projet. Les filles, pourquoi on a mis des étiquettes alors dans le jardin ? Ça, l'étiquette, on a mis ici pour ne pas se tromper, Magali. Pour ne pas se tromper. Pour ne pas s'embrouiller. D'accord. Pour donc pour. C'est la menthe. La menthe. Donc pour faire la fusion de la menthe. Pour faire le thé. Et qu'est-ce qu'il y a écrit alors sur l'étiquette hein? La menthe. La menthe d'un blanc vert vif. Elle a des propriétés toniques, stimulantes et anti. Spasmodiques. Spasmodiques, pardon. C'est une des meilleures plantes. Mais. Ça veut dire qu'on peut s'en servir comme un médicament et ce que vous avez dit, on peut l'avoir en infusion.
Découvrez d'autres techniques et activités pour votre jardin sur www.otesha-gardens.eu. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.